Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est pour parler toujours des douleurs intercostales et notamment plus particulièrement de la douleur de névralgie intercostale. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et je vais aussi me présenter, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels, nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, notamment pour les grands groupes, que ce soit au bureau, en télétravail. Et c'est par ce biais-là, en fait, que tous les jours, régulièrement, je vous donne des exercices, des conseils, des astuces pour vraiment vous apprendre à maîtriser ou faire disparaître ces douleurs qui peuvent justement vous empoisonner un petit peu la vie, que ce soit au bureau, mais même dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et sur lequel on doit vraiment agir. Pour en revenir à cette névralgie en fait intercostale, on va vous faire un tout petit peu d'anatomie pour que vous puissiez vraiment comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. En fait, tout simplement, votre thorax, en fait, il est constitué en fait de 12 paires de côtes qui partent de votre dos au niveau de vos vertèbres et qui font ensuite tout le tour en fait jusqu'à l'os central de votre poitrine qui s'appelle le sternum. Et entre vos côtes, il y a de petits muscles qu'on appelle les muscles intercostaux. Et en fait, il existe entre ces différentes couches de muscles des nerfs intercostaux qui cheminent en fait en compagnie des veines et des artères du même nom. Et c'est à ce niveau-là en fait que votre nerf intercostal peut être irrité à cause par exemple d'un traumatisme ou d'une compression un petit peu prolongée qui provoque du coup une inflammation de votre nerf. Et à terme, en fait, cette inflammation va vous donner une douleur qui peut être très souvent de type électrique. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il existe en fait un certain nombre de raisons qui peuvent provoquer une douleur de névralgie intercostale en plus de celles que je viens de vous citer. En fait, il peut s'agir tout simplement d'un pincement de votre nerf, de maladies dégénératives de votre colonne, d'une déformation de votre disque intervertébral. Donc, en fait, le disque intervertébral, c'est une structure en fait qui est assez souple et qui se situe entre chaque vertèbre et qui est chargée en fait d'amortir les pressions que subit votre colonne. Et parfois, en fait, ce disque peut se déformer et la déformation de ce disque indirectement va donner une compression du nerf et vous donner des douleurs. Entre autres. Cela peut aussi être dû à une déformation de votre colonne qu'on connaît très bien, qui s'appelle la scoliose. Et cette scoliose, en fait, effectivement, avec la rotation des corps vertébraux et les contraintes que ça exerce, ça peut effectivement vous donner une névralgie intercostale. Voilà, maintenant que vous connaissez un petit peu ce que c'est qu'une névralgie intercostale, vous voulez sûrement savoir, en fait, ce qu'on est censé ressentir. En fait, c'est super simple, hein. Ce qu'on se ressent, c'est une douleur à type de courant électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui parcourt, en fait, le long de vos côtes via le trajet de votre nerf en fait tout simplement qui se propage et donc en fait entre vos côtes et vos vertèbres jusqu'à votre sternum. Elle peut aussi irradier en fait cette douleur dans la région du cœur et de l'estomac. C'est pour ça que des fois ça peut être un peu trompeur et qu'on peut un petit peu paniquer et que souvent on peut penser qu'on est en train de faire une crise cardiaque, mais en fait c'est pas le cas. Elle peut être en fait un petit peu discrète au début et devenir un peu plus intense. Les douleurs peuvent durer de quelques secondes à environ 2-3 minutes et apparaissent en fait notamment lorsqu'on fait des mouvements qui sont un petit peu contraignants, un petit peu gênants, lorsqu'on rigole ou en fait lorsqu'on tousse un petit peu de manière répétée. Voilà à peu près ce que vous avez à savoir sur la névralgie intercostale. Ce que je vous propose en fait, c'est de liker cette vidéo et de commenter le sujet si vous avez été victime de ce genre de douleur. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place tout simplement pour lutter contre ces douleurs-là? Et de partager cette vidéo avec des gens chez qui vous pensez que ça pourrait leur être utile. Voilà, j'espère que encore une fois cette vidéo vous aura plu. Et surtout, ce qui est vraiment très important, prenez soin de vous, vous le méritez.